encore une fois, les foulées de Schirmeck. Réussite totale, soleil, comme d'habitude, je dirais presque, puisque depuis 20 ans, on n'a jamais eu un mauvais temps. Répétant les temps, évidemment. Simplement, voilà, cette année, on a quand même presque 700 coureurs d'inscrits sur la totalité des courses. On va dire sur le 5 km, plus de monde, un peu moins sur le 10, mais globalement, quand même une belle réussite. Je dirais, alors je tenais surtout à remercier tous les signaleurs, évidemment, tout autour de l'organisation. On a 27 associations qui nous donnent un coup de main aujourd'hui, plus des bénévoles autres. Hein. Je tiens à remercier quand même aussi le club de moto, puisque eux, ils ouvrent les courses, ils ferment les courses. On a le club 4x4 en forêt qui gère vraiment bien la forêt. Et puis, bien sûr, je remercie tous les participants dans cette manifestation, bien sûr, les coureurs, les marcheurs. Et comme dit, encore une fois, une belle réussite cette année pour le 20e anniversaire. Donc cette 20e édition, ça a été encore une fois de plus un réel succès. On a eu le temps avec nous, mais c'est vrai que l'important pour nous, c'est la course est importante. On peut remercier l'ensemble des bénévoles, plus d'une centaine de bénévoles qui nous ont soutenus là-dessus. Je félicite l'association du Repère qui a été le support de cette organisation. Ensuite, au niveau des coureurs, 698 coureurs, on est dans les chiffres hauts de notre organisation. L'avantage pour nous, c'est ça fait aussi découvrir Schirmeck à l'ensemble des coureurs. Il y a des coureurs qui viennent de Strasbourg et de plus loin, région dans le Haut-Rhin, en Lorraine. Donc ça fait découvrir aussi Schirmeck et c'est aussi tout le fait, on fait aussi ça pour ça, pour attirer les gens dans notre vallée, dans notre belle vallée, où il fait souvent très beau. Voilà, cette année, nous fêtons les 20 ans des foulées de Schirmeck. Je voudrais remercier tous les bénévoles et surtout notre organisateur, Jacques Hiruche, pour son efficacité habituelle. Voilà.